Donc c'est vraiment la force de la prière. Dès que j'écris un cours, déjà, savoir que Baruch HaShem, ça veut dire qu'il est fait sur mesure pour les filles qui sont ici, parce que ça veut dire que c'est HaShem directement qui veut qu'on parle de ce sujet. Parce que moi, comment je demande à HaShem, je dis HaShem, de quoi tu veux qu'on parle? De quoi tu veux qu'on parle ce soir? Il me dit, ce soir, c'est la prière. Donc on va revenir à la base, à la prière, Mamash Kara. Donc le cours, il est Leilou Nishmat, Nathan Avram, Ben Yosef, Irina Fitoussi. Et je vais commencer par une minute de Léodot, de remerciement, parce que je commence toujours un cours par Toda. Donc Toda Rabba Kodem Kol Ala Makom Azeh, que Baruch HaShem, on peut faire quoi dans cette grande synagogue. Toda Rabba Ourav Ben Ishai, Ala Rabbanit, de nous laisser le Makom, de nous faire confiance pour diffuser la Torah. Et voilà, c'est un grand kavod, mamash. Et Toda Rabba aussi, je dis toujours à Orim Sheli, à mes parents, c'est grâce à eux aussi. Et Toda Rabba à vous, chez Baten, merci beaucoup d'être présente. Donc voilà, on peut commencer le cours. Maintenant que j'ai remercié un peu tout le monde. Hein? Ah oui, bah aussi à mon petit frère, Toda Rabba et Archeli. C'est grâce à lui que, bon, Hachem, on a commencé à faire les cours. Et en plus, la prière, déjà ce cours, il faut savoir, je l'ai écrit il y a 2 ans. Quand je tournais dans les maisons des copines un petit peu comme ça. Et les cours, ils n'étaient pas encore filmés et tout ça. Et d'ailleurs, c'est mon frère qui m'a dit qu'il faut filmer les cours. Et j'avais fait ce cours et j'avais parlé en exemple de mon petit frère qui faisait la prière. Alors, mon petit frère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Chayav Nathan Avram, Nathan Fitoussi, qui est Niftar le 15 août. Donc, ça fait presque un an. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert Emunatan. Donc, c'est la Emuna et Nathan. Et c'est les cours de Torah qui sont dédiés à sa mémoire. Donc, voilà. Donc, la tfila, c'est vraiment lui. Ça veut dire que à quoi chez la tfila, la force de la prière, c'est plus qu'une force, c'est une énergie en fait. On ne s'en rend pas compte. Et je fais très attention à ce que je dis quand j'ai relu ce cours et quand je l'ai réécrit et je l'ai réadapté 2 ans plus tard pour savoir où j'en étais en fait, moi, dans ma prière aujourd'hui. Et je me suis dit, tous les jours, il faut reprendre à zéro sa prière. Tous les jours, il faut se dire qu'on n'est pas là. On n'est pas là, on est tous d'accord. On n'est pas là au moment de la prière. Le matin, tu fais shacharit, tu penses à tout sauf à ta prière. Enfin, moi en tout cas. Là, je parle que de moi et de mon ressenti dans le cours, quoi. C'est vraiment genre, je me dis, allô, par exemple, ce matin, je savais que je faisais un cours sur la prière, en plus, je savais que le cours, je me suis dit, bon, je vais expérimenter, je vais faire la pratique sur la théorie. Donc, je vais me concentrer, tu vois. Mais pas du tout. Je dois prendre un rakevet pour aller à Jérusalem, est-ce que j'ai pris ça? Fin de la prière. J'ai fait tout ça, la Amida et tout, j'étais pas concentrée. Il y a la prière et il y a les kavanot. Et en fait, c'est le lien et le ribourg qui va nous permettre de se connecter à HM, parce que le but, c'est notre connexion à HM. Et pourquoi on fait la prière, et pourquoi prier, et c'est quoi la prière et comment prier? On va donner des petits tips, on va donner des choses pour changer notre manière de comprendre, de faire la prière. Et la prière, c'est la tefila. Hein. Moi, je vais dire tefila parce que prière, ça fait un peu tricato. Voilà. Donc pour moi, la prière, c'est un lien entre le dibourg, c'est-à-dire la parole, et la emuna. Parce que tu vas, les hautes similim, ok, c'est quelque chose qui a été mis en place par nos sages après le Beth Amikdash. Et ils se sont dit, il faut un moyen après les korbanot de relier cette connexion avec Hachem. Et c'est là qu'est venue la prière. Le problème de la prière, le problème, parce que derrière ça, il y a des problèmes, c'est que c'est tout le monde fait la même chose en fait. Et moi, j'ai du mal parce que c'est pas mes mots. Donc j'ai du mal à chaque fois à dire. Même si les textes ils sont très beaux, même si nous en tant que Français on les comprend pas super bien, on comprend pas tout ce qu'on dit. T'es pas à fond tout le temps. Même à un moment tu vas te concentrer un peu plus qu'un autre. Mais t'as t'essayes de comprendre, t'essayes de te rattacher. Et c'est ça en fait. Donc c'est en fait le lien entre Dibour, la parole, et la Emouna, et ça fait Tfila. Donc voilà. Pour commencer par une petite histoire, il y a un rav, c'est pas un rav, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il rentre dans la synagogue, hein, que Bezrat Hashem, lundi, je vais à son kever. Il rentre dans la synagogue comme ça, et il dit à tout le monde, ah, shalom, shalom, ça va, oh, bonjour, bonjour, boker tov, ma Corée. Il commence la prière, et il finit la prière, et il ressort, et au lieu de dire au revoir à tout le monde, il dit quoi? Il dit, boker tov, ma Corée, boker tov. Et les gens, ils sont choqués. Ils disent, mais Raph, pourquoi vous dites Bokerta? Il dit, bah, parce que tu viens de te réveiller, là. Tu n'étais pas dans ta prière du tout. Donc, en fait, le Raph, il s'est rendu compte que les gens, en fait, ils sont somnolents. Parce que c'est devenu quelque chose de mécanique. C'est devenu machinal et il ne faut jamais s'habituer dans la vie.
Je dis tout le temps dans mes cours, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ta prière n'est pas acquise, ton couple n'est pas acquis, l'éducation de tes enfants, ce n'est pas quelque chose de acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Donc tous les jours, tu repars à zéro, tu remets un compteur, 24 heures. Et donc voilà, c'est l'exemple de ces personnes qui en fait n'étaient pas réveillées au moment de la prière. Maintenant, il y a une phrase clé comme ça, que tout le monde connaît hein, sur la tefila, c'est « Kol tefila lelo kavana, ikmo guf lelo neshama ». Alors maintenant, je fais très attention à ce que je dis, parce que c'est comme « l'ishpot et atzmi », genre c'est vraiment genre je me juge moi-même en train de me dire « il faut que je me rende compte que kol tefila lelo kavana, ikmo guf lelo neshama ». Ça veut dire « toute prière sans kavana, c'est comme un corps sans âme ». C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans la prière. Et ça, les gens, ils ont du mal. Ils ont du mal à comprendre que, ok, tu sors des mots. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, ok, et que tu n'étais pas dans le sujet, en fait. Tu lui parlais, mais tu ne comprenais pas ce que tu... Enfin, c'est bizarre, en fait. Si on prend cette situation dans un contexte avec une personne, c'est bizarre de parler à quelqu'un et de ne pas comprendre ce qu'il dit. Enfin, il n'y a rien qui passe. Donc, faut savoir que la prière, c'est Hachem qui a créé notre vie manquante. Okay, Hachem, il nous a créé des manques dans notre vie. Et la prière, c'est un peu une tikva aussi. C'est un peu un espoir. Et c'est le Rav... ça, on va voir. Bon, je vais dire un petit peu. Le Rav Uri Cherki, parce que j'ai aussi écouté les cours du Rav Uri Cherki. Il a dit, alors, c'est quoi la tefila? Il a demandé à tout le monde, toute sa yeshiva. Alors, les gens, ils ont dit, c'est un moyen de communication avec Hachem. C'est vrai, la prière, c'est un moyen de communication avec Hachem. Ils ont dit aussi, c'est un équilibre entre demande et remerciement. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pris. Équilibre entre demande et remerciement, ok. Ils disent aussi, c'est une parole adressée à Hachem, c'est se connecter à Hachem. Donc voilà, pour eux, la tefila, c'est tout ça. Il a écrit tout ça, il a pris la feuille, il a dit, ok, vous voyez tout ça. Et il a fait comme ça, il a jeté, il a dit, c'est pas ça du tout. Il fait tout le temps ça, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu passes du tout au rien et essaye de te montrer que le rien autour, en fait, c'est... En vrai, ils avaient raison, parce que quand il prend la définition, il dit... Il y a un problème parce que dans la tefila, il y a le côté demande, ok. C'est-à-dire tu vas demander une bakasha Hachem. Mais ça veut dire quoi en fait demander quelque chose? Et moi aussi j'ai énormément de mal avec ça parce que c'est mon côté Breslev. Mais dans la demande, il y a quelque chose de Hachem. Il est beau le monde que tu as créé aujourd'hui, trop beau, j'adore. Juste, ça va pas. Genre cette personne elle est malade, j'ai envie qu'il guérisse. Mais ça va pas. Ça veut dire qu'en gros toi tu sais mieux qu'Hachem ce qui est mieux pour lui. En fait. Et il dit comme ça, il donne ses exemples même âge. Donc toi, quand tu fais des demandes, pour moi, c'est le dernier schlav, les demandes. Tu dis à Hachem, en gros, moi, je vais rectifier ton monde. Moi, c'est pas comme ça. Alors les gens, ils ont du mal. Ils disent, oui, mais peut-être, c'est normal qu'on doit faire des demandes. C'est normal qu'on demande à Hachem des choses. Genre, on est aussi là pour faire des rifouachés, ma truc et tout. Ok, d'accord, t'as fait ce qu'on appelle la ishtadlout, zébécédère. Mais après, il faut laisser Hachem faire les plans. Et ça, les gens, ils ont beaucoup de mal avec ça. Mais il faut accepter. Moi, j'ai accepté tout ce qui m'est arrivé dans la vie, les épreuves, les choses bien, les choses mauvaises, et c'est ça. Et à cause des chesed Hachem, tout, c'est ma mâche, chesed Hachem. Il faut que l'homme, il accepte ça, que tout est pour le bien. Donc, il y a quatre étapes dans la prière. Premièrement, c'est reconnaître Hachem. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est le glorifier Hachem. Ça, on le sait dans la prière, quand on fait Alléluia, Albekocho, nanana. Demande à Hachem. Donc, il y a une place pour les demandes. Et ça, on va le voir, parce que vous avez des idées dans votre tête de demande et Hana et tout ça, on va en venir. Et remercier Hachem. Parce que Léodot, c'est Aïkar. Genre, pour moi, Léodot, c'est la base de la base. Genre, remercier Hachem. Donc, quand tu dis Moda, Ani, Nefanecha, tu remercies Hachem. Le premier mot que tu dis, c'est Moda, c'est pas Ani. Pourquoi? Parce que tu commences ta journée en étant orgueilleux, genre Ani. Tu commences la journée en mode « moi ». Non, on te dit « moda », déjà « remercie je ». C'est même pas grammaticalement bon de dire « remercie je ».« Moda ani ». Rien que ça, dans la construction de la phrase, ils ont dit « non, on commence par remercier et après dire je ». C'est dire que tu commences par le toda. C'est dire que déjà dans ta tête, tu dois avoir la kavana que tout vient du remerciement. Tout ce que tu vas faire dans la journée, c'est que remercier Hachem. Comme moi, j'ai commencé mon cours et j'ai dit « merci Hachem ». Merci Hachem que vous êtes présente, merci Hachem pour la synagogue, merci Hachem. C'est comme ça. Tu dis Moda, t'as tout dit. Donc voilà, déjà on a vu c'est quoi la prière pour le Rav Uri Cherki, pour tous les gens de la Yeshiva qui étaient là. Maintenant, il y a une autre idée de la tefila. La tefila, c'est quoi? C'est la vodo bechol et vafre. Ok, on a dit il faut travailler de tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire dans la tefila. Il y a un travail. Et c'est comme l'aïmouna, il y a un travail. On a dit la semaine dernière, les tamen, imoun, c'est l'aïmouna, il faut travailler ça. Et bien là, dans la prière aussi, c'est un travail tous les jours. En fait, pourquoi il te le donne? C'est comme quelqu'un qui fait un régime.
Il doit être constant, ok? Il doit être constant pour avoir des résultats à la fin. Il a des objectifs, il veut perdre 3 kilos, et bien là, c'est pareil. Si tous les jours, tu essaies d'être constant dans ta prière et que tu travailles « Bechol et Vafra » de tout ton cœur, alors tu vas être constant. Je le dis pour moi parce qu'il faut que je travaille ça. Vous avez compris que ma prière ce matin, ce n'était pas du tout ça. Et aussi, la deuxième dimension, c'est « Orada Mishefa », c'est-à-dire, comment on dit « Orada Mishefa », genre la descente de l'abondance, « Mi Lemata » Adlemala, ou plutôt les deux, en fait, du haut vers le bas et du bas vers le haut, ok? Parce que quand on dit dans l'Amida, Ose Shalom Bivromab, Veyate Shalom Aynou, Valkol Amo Yisrael Vemro Amen, ça veut dire Ose Shalom, il fait la paix entre les deux mondes, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, il y a une idée de Orada, de l'abondance entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est un ascenseur, en fait. Je veux, je demande, je prends, et on construit des mondes, genre Mamash Kacha. Et il y a les mots que tu vas dire et il y a l'intention que tu vas mettre. C'est deux choses complètement différentes. C'est deux dimensions, en fait. Et on dit que la prière, ben, si tu es sans eau pendant 3 jours, tu ne peux pas vivre sans eau pendant 3 jours. Ben là, on dit que la tefila, si tu ne fais pas tes 3 tefilotes, comme tu peux, on dit que vraiment une personne, au bout de 3 jours, elle meurt si elle ne boit pas d'eau. Okay, 3 jours, c'est le deadline, quoi. Et bien, 3 tefilotes, c'est matin, midi et soir, c'est pour les hommes. Les filles, c'est obligatoire, une seule prière. Et voilà, j'aimais bien cette idée de 3 jours haut et 3 jours tefilotes. Et voilà, donc c'est-à-dire que le monde d'en haut et d'en bas, ils sont dépendants. Okay, j'avais fait un cours sur Perek Shira. Et à chaque fois, je dis, les anges, ils attendent que nous, on fasse la même chose qu'eux. En fait, c'est un miroir entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et voilà, alors, quand faire la prière? Alors ça, c'est le temps, c'est le Zman Tfila. Et il faut avoir une heure fixe. Parce que c'est comme une... quand tu rencontres Hachem, c'est bien d'avoir une heure fixe. C'est pas quand je peux, quand je me réveille, quand j'ai le temps, quand je... Non. Toi, quand tu prends rendez-vous avec ton patron, tu as une horaire avec lui, il te dit 9h. À 9h, tu es là. Et ben pareil avec Hachem. Mais nous, on oublie Hachem toute la journée. Hachem, je dois faire ça, je dois partir, faire des courses, et les enfants, et les trucs, et machin. Ben, roux. Tout ça, c'est avodat Hachem, c'est avodat Kodesh. Mais rappelle-toi que Zman Kavuaim Hachem. Genre, avoir son moment, lui et toi. Mamash Kara. Et voilà, après, ils disent que le meilleur moment pour que toute ta prière elle soit bien exaucée, c'est au moment du Net Sahama. Est-ce que vous savez qu'entre Hachem Eler, Hachem Alar et Baruch Shama, il y a la petite Renoukia, ok? On dit que si tu la lis à Net Sahama, ça c'est dans tous les sodos de la prière. Eh ben, c'est un bouclier pour toute la journée. La journée de 24 heures va bien se passer. Et il y a plein de gens qui ont cette Hanoukia. Ben voilà, elle est là. Ils l'ont dans les becs et les selles, c'est obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, on va. Et en plusieurs fois même. C'est vraiment quelque chose, si vous voyez, c'est toujours là, cette Hanoukia, parce que c'est une protection. C'est vraiment une protection. Et il y en a qui l'ont même dans leur portefeuille avec une feuille d'or. Si tu le lis sur une feuille d'or, la Hanoukia, Onet Sahama, t'es bien pour toute la journée. T'as compris? Donc voilà, et ça, c'est tous les secrets de la prière. Il y a un livre, ok, que les kabbalistes, ils ont écrit, mais français, israélien. Dommage, je ne l'ai pas ramené. C'est un livre pour que tu sois concentré dans ta prière. C'est en couleur. C'est-à-dire que tous les noms d'Hachem, ils vont être en vert, ok. Il y a d'autres kavanot qui vont être en rouge ou en bleu et en noir. Je vais mettre, après, si vous voulez, le lien sur le cours, je vais mettre la photo du livre. Et pour vraiment te concentrer dans la prière, que ça soit visuel et que ça ne soit pas monotone, et que ça soit pas en noir et blanc, et ben il y a des petites couleurs comme ça, et il y a même écrit entre parenthèses Kan Sarir Mamash Lit Kaven. Ici il faut vraiment se concentrer à ce passage là, il faut penser à ça, il faut, genre, c'est hyper bien, franchement. Je lis pas souvent dans ce livre parce que sinon ma prière elle va durer 4 heures, mais les kabbalistes le matin pour faire Shmona Esrei ils mettent une demi-heure, quoi. Et si on parle de kabbaliste un petit peu, ben je vais un petit peu parler de mon petit frère, parce que lui, chaque fois qu'on me demande de parler de lui, on parle de la prière. Parce que Nathan, c'est quoi Khatfila? Et quand j'ai pensé à faire ce cours pour ce soir, je me suis dit, il manque quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, normalement le mardi, je vais au cours de ma rabbanite à Givat Olga, côté Tradera. Et là, je n'y suis pas allée parce que je devais intervenir pour parler à un petit groupe de jeunes du Bnei Akiva. Et donc, j'arrive comme ça, ils ont 15 ans, tu sais, ils sont un peu, mignons comme ça, mais ils savent que l'histoire que je vais leur raconter sur mon frère, un khayal de l'armée et tout, ça va être
pour eux, ça va être dur. Moi, j'ai l'habitude de parler à des groupes, donc j'ai pas de problème, je les mets à l'aise et tout. Je parle de Emouna, je parle de Rizouk et je parle de prière. Et je parle que mon frère, il priait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ceux qui suivent les cours, ils le savent. Nathan, c'est vraiment Koach HaTfila. Ça veut dire, même dans mon ancien cours d'il y a 2 ans, j'écris n'oublie pas de parler de Nathan. Genre, il y a 2 ans, alors qu'il n'était pas encore Niftar. Il est décédé, mon petit frère, parce qu'il est parti prier. Il est parti prier Arvite. Donc, il a dit à son copain, moi, je reviens, je vais aller prier Arvite, parce qu'il sentait, mon frère, il sentait les ondes dans les endroits, on va dire. Et il disait, cet endroit, il a besoin d'un tikkun. Genre, vraiment comme ça, à chaque fois, il était là, il disait, ah là, cet endroit... Il a besoin de... Et vraiment, il disait, ah non, mais cet endroit, par exemple, il est bien. Je sens qu'il y a quelque chose de bon ici. Et il sentait les énergies de l'endroit, vraiment. Et quand il est parti prier, il a dit à son copain, il faut que les taken est à Makom, genre Shlama. Et genre vraiment réparer cet endroit-là. Et donc, il est parti prier la Tfilat Arvit. Et il a fait Shema Israël et Zemamash Kacha chez en revenant de la Shmira, qu'il a entendu son copain et il y a eu un biboule, ils se sont pas compris et son copain il a tiré sur lui Betaout, mais on sait que Mikré, ça veut dire Koré mi Hachem, c'est que tout vient d'Hachem et on sait que c'est vraiment genre c'est Hachem, c'est Mamash, c'est comme ça que toute la famille on l'a pris, on a tout de suite accepté, on était toujours dans, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours accepter parce que on est dans l'acceptation. Constante et non Kibanoise et je sais qu'il était tellement une grande personne et c'est ce que j'ai dit au Rav Benish la semaine dernière et c'est lui qui m'a dit aussi on sait que les gens qui partent de ce monde on dit les meilleurs partent les premiers et tout machin, je l'ai tellement entendu cette phrase, mais mon frère il était tellement meyohad pour vous dire à quel point la prière c'était important pour lui. Quand il faisait Birkat Amazon, c'est aussi la prière hein, je parle pas que de Shacharit, rien que pour le mot Nahat, il devait ressentir le Nahat, c'est dire Benahat. Genre, il devait ressentir la sérénité. Qui fait ça? Qui ressent la sérénité au moment où il dit Nahat dans son Birkat Amazon? Birkat Amazon, 40 minutes. Hein. Un Birkat Amazon de compète. Ça veut dire, il était en eau. Ça veut dire, tout le monde le touchait. Il disait, Nathan, ça va? Et là, il voyait, genre, plein de gens, ils nous ont dit, on le voyait prier à la synagogue. Il avait le double des clés de toutes les synagogues de Nathania. Sachez-le. Maintenant, ils ont toute la prière des Chayalim dans toutes les synagogues. C'est Nathan chez Oshomer, genre, à la Makom. Et je sais que c'est grâce à lui aussi qu'on fait les cours, c'est sûr, mais c'est son empreinte qui est restée. Et les gens, ils me disent, j'ai pris sur moi de plus me concentrer sur la prière depuis que j'ai vu ton frère faire la prière. Ceux qui ont vu mon frère faire la prière, ils ont tout compris. Sachez que même moi, pour prendre mon petit déjeuner le matin, je devais le prendre dans ma chambre pour laisser mon petit frère dans le salon pour qu'il fasse la prière. Parce que sinon, je le déconcentrais. Vraiment. Birkat Amazon, le Shabbat, ben, on allait tous dans le balcon pour que mon frère... fasse le Birkat Amazon. C'est, voilà. Il mettait 4 heures le matin. C'était très, très long, quoi. Quand il faisait à l'armée, eh ben, bon, Hachem, il n'y avait pas de problème. Il faisait... Il s'est habitué, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faisait des prières moins longues. Mais le Shabbat, il se faisait un kiff. Il mettait longtemps. Il avait des cavanotes. Ça, c'est quoi, Khatfila? Voilà. Si je devais parler d'une seule personne dans ce cours, c'est que mon frère. On peut parler de Hana. Elle a prié, elle a supplié Hachem. Elle a été exaucée. Ok, on peut parler de ça. On peut parler d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, prière de Shacharit, Minra, Arvit. Ok, on connaît tous les patriarches et tout. Prenez un exemple d'une personne dans votre famille proche qui prie comme ça. Il faut trouver cette personne-là. Ça peut être vous. C'est à nous. Moi, j'ai appris de mon frère. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai vraiment appris de mon frère? Est-ce que moi, je le transmets. Je transmets sa façon de prier, mais je ne l'ai toujours pas assimilé et je ne le fais toujours pas comme lui. Si, un peu plus dans le Birkat Amazon, parce que quand il dit Nahar Haïti, Vegam Zakanti, c'est-à-dire mon frère, il a dit Nahar Haïti, c'est-à-dire j'ai été jeune, j'étais ado, Vegam Zakanti, et j'ai aussi été vieux. Mais mon frère, il n'a jamais été vieux. Mais pourtant, quand il le disait, il le croyait vraiment. Je peux vous dire que Zakanti, il a vécu. Pour lui, il était vieux dans le Birkat Amazon. C'est des Neshamot. C'est Mamash des Neshamot. Mais nous aussi, on est des Neshamot. Donc c'est accessible à tous, en fait. Faut pas attendre que Chas v'Shalom, il y a quelque chose comme ça pour que je raconte son sipour et qu'on le prenne en exemple. Mais c'est à nous d'être plus impliqués dans notre façon de prier tous les jours, d'être plus vivant dans notre propos. Et moi je dis, il y a la prière et il y a Idbo Dedout. Idbo Dedout, c'est le freestyle de l'âme. C'est toi avec tes mots, tu peux parler à Hachem. Si tu as du mal à les Kaven Batfila, alors parle à Hachem et dis-lui, Hachem, j'ai du mal, genre caché-li, à me concentrer dans la prière le matin. C'est dur pour moi. Et on va voir des petites choses mémotechniques pour essayer de comment bien prier, en fait. Et c'est un peu la fabrication de notre prière.
On fabrique une prière, mâche comme un matana en fait. Et déjà, il faut se donner un rythme dans sa prière. Donc, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, ok, se concentrer et pas à commencer directement, genre, ça y est, parti pour le carnage, tu vois, genre, ah, c'est parti, mon dernier fanicha, genre. Non, tu te mets 2 minutes avant d'ouvrir ton sidour, tu dis, ok, tu sais, quand ils font les tekes, ils font kan, natri, lata, tekes. Et bien, toi, tu fais kan, natri, lata, tfila, genre. Genre, vraiment, t'essayes de rendre quelque chose de meyoukha, genre, c'est le seul moment que tu vas avoir avec Hachem. Alors, fais-le bien. Genre, imagine, t'es devant le Rosh HaMemshala, t'as 2 minutes avec lui, ok? Tu donnes pas tout. Tu mets pas la plus belle robe, le plus beau truc et tout. Mais nous, comment on fait la prière? On l'a fait en pyjama, on n'a même pas mis encore de kisouille, on n'est pas là, on n'est pas... Mais si je te dis que t'as devant le Rosh HaMemshala 2 minutes par jour, mais toi, tu fonces, mais tout de suite, je prends un ticket, moi. J'y vais. Mais non, nous, c'est trop dur. C'est trop dur, on a du mal à comprendre. Donc voilà. Maintenant, je me suis posé la question. Ok, prier, c'est bien, c'est sympa la prière. On a compris c'est quoi la prière. Mais pourquoi? Pourquoi on prie? Voilà. Et j'ai écrit pourquoi on prie. Alors, prier déjà, c'est une forme d'humilité. On a dit, Hachem, il nous a créé avec des manques. C'est se rappeler que tu as des manques. C'est se rappeler que tu es ici pour demander aussi à Hachem, que te rappeler qu'il est là, en fait. Parce qu'on... À chaque fois, on se rappelle, heureusement d'Hachem, qu'au moment où il y a des gens qui sont malades, venez, on fait une journée de signe, ou venez, on fait une chaîne de Tehillim. Tu pries qu'au moment où tu as besoin. Mais si moi, Baruch HaShem, je fais Tehillim tous les jours, eh ben, je ne culpabilise pas au moment où Chas v'Shalom, il y a quelqu'un qui est malade, parce que je dis à Hachem, voilà, je fais Tehillim, mais je rajoute. Donc, tu culpabilises moins. Moi, je pense, en tout cas, c'est pour ma part. Mais pourquoi prier? Déjà, il faut savoir que Hachem, il ne te doit rien. Ok? Il te doit ma mâche cloum. Genre, tu peux lui demander jusqu'à demain, ouais, HM, je veux un enfant. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est le Rav Uri Cherki. Et si c'est pas le bon moment? Et pourquoi inventer? Parce que tu crées ton espace et ton monde du Olam Haba. Parce qu'il faut savoir que quand tu pries, tu crées un ange. Ok? Maintenant, chaque jour, ton ange, il va être différent. Si tu étais prière de Yom Kippour, normalement, tu es au high, donc ta prière, elle est parfaite, donc ton ange, il est parfait. Devant un autre jour où tu es moins... Voilà. Et du coup, l'ange, il est moins beau. Et il y a des gens, des anges qui ne sont même pas valables à la fin de la journée, en fait. Toi, tu as prié, tu as mis du temps, tu as mis 40 minutes, 1 heure, 20 minutes. Mais au final, Hachem, il te dit, non, je ne prends pas cette prière. Mais Hachem, j'ai prié. Il te dit, voilà, en tout, tu as prié exactement 43 prières dans toute ta vie. Mais non, je n'ai pas du tout prié 43 prières dans toute ma vie. Ok, Chas v'Shalom. 43 000, Hachem, bah oh, 43 millions. Non, mais il te dit 43, et toi, t'es là, mais 43? Mais pas du tout, j'ai beaucoup plus. Il te dit, non, le 1er juin, c'est demain le 1er juin, 1er juin 2005, c'est ta première prière. Ah non, mais ok. Deuxième prière, en 2018, tu as fait une bonne prière. Ensuite, 2 mois plus tard, en vrai, il fait comme ça les comptes. Et quand tu te rends compte de ça, tu t'es dit, allô, je ne veux pas avoir 43 prières. Je veux vraiment inventer, je veux créer mon espace au Olam Haba. Vraiment comme ça. Donc, on a dit que, ok, si on se réfère à la Torah, on a la prière qui a été instaurée par Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc Shacharit, Mincha et Arvit, ok. On a aussi les Imaot, donc c'est les prières des Tzadkaniot. Et ça, c'est, elles ont été à Karot, donc Hachem a créé un manque. Elles ont prié. Elles sont devenues de stériles, elles ont eu des enfants. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est créé, il y a eu un Mahava, ok? Il y a eu un Majber, il y a eu un Mahava, quelque chose qui s'est créé. Et on a aussi Moshe Rabbeinu, qui a fait 515 tfilot, ok? 516, il rentrait en Eretz Israël. Hachem, il lui a dit, arrête-toi là, en une prière, tu rentres en Israël. Donc, ça veut dire que des fois, tu es hyper proche du but. Genre, il te manque une prière, c'est le Rav Yigal Cohen. Il a fait un cours juste sur Moshe Rabbeinu, 515 tfilot. Il a dit, des fois... Une prière, et non, toi, tu t'arrêtes là. C'est comme si que tu montais, tu arrives en haut, et là, tu dis, ah non, il reste une marche, je préfère redescendre. Qui fait ça? L'homme fait ça. L'homme, tout le temps, fait ça, il dit, je préfère redescendre. Voilà, sauf que Moshe, lui, on a demandé d'arrêter. Mais là, Hachem, il t'a jamais demandé d'arrêter. En fait, il te dit, bah, continue, qu'est-ce que tu fais? Il était trop bien, là, c'est super. Continue, allez, une prière. De 43, tu passes à 44. Et je sais pas pourquoi je dis 44. Mais voilà, parce que qui attache au Mea Tefila Kolpe. C'est-à-dire Hachem, vraiment, au Shomea Tefila Kolpe, genre. Et on parle du je vous relève, celui qui ramène, qui pleure, genre, au Kotel. Des fois, ta prière au Kotel qui dure 2 minutes à Hachem, elle est plus forte que la prière que tu as fait le matin. Il y a plus de Kavanot,
il y a plus d'énergie. Pourquoi? Parce que elle n'est pas habituelle. Tu n'es pas dans le constant, en fait. Et là, tu sais que tu es au côté, tu es dans un Makom Meyuchad. Juste pour rappel, quand tu es en Chutz Laaretz, tu es dans le jardin du roi. Quand tu es en Israël, tu es dans le palais du roi. Et quand tu es à Jérusalem, tu es dans le Kodesh HaKodeshim, dans la chambre du roi. Genre vraiment comme ça. Donc imagine quand tu es au Kotel, à Jérusalem, en Israël, Baruch HaShem Zachinu. C'est pour ça que les gens, ils sont hyper concentrés à ce moment-là. Ils sont hyper concentrés dans la prière parce qu'ils savent que Zéa Makom, c'est la Bgisha, Makadosh Baruch Hu. Si tu te dis que Tfila Shave Bgisha, que la prière, c'est égal un rendez-vous, ça change tout. Genre, des fois, il y a des gens, ils me disent, ça fait quoi aujourd'hui? Non, non. Je dis, bah, j'ai eu un rendez-vous. Rendez-vous avec qui? Avec HM. Que dis-je? J'ai eu un rendez-vous avec HM. Genre, faire de ce Zman, tu ramènes tout le vocabulaire, le lexical du rendez-vous, de la guicha, de la rencontre. Tu crées un lien et une connexion à HM qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus médouillequette. Elle est exacte, elle est parfaite. Et voilà, comme Moshe Rabbeinu et comme les Imaot, elles ont fait, qui ont eu un manque, et comme juste Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui l'ont fait parce que ils ont prié Shahari, Mincha et Arvid, pas parce qu'ils avaient des bakashot, mais parce que au fond d'eux, ils étaient shalem et ils étaient dans le toda. Et c'est ce qu'on a vu, c'est la première forme, c'est le toda, et la deuxième forme, c'est les demandes. Et ben voilà, avec les Imaot et les Abaot, on a tout, et les Avot, slicha, et les Avot, on a tout trouvé. Et voilà, maintenant. Quoi, Hatfila, comme je vous ai dit, c'est une force et une énergie, ok. Aval Hatfila, genre, il y a une phrase qui dit comme ça et j'ai beaucoup aimé. Hatfila, Achomot Agana Shel Haneshama. Ça veut dire c'est le mur de protection de la Neshama, ok. On a notre gouffre et notre Neshama, elle est bloquée dans notre corps, genre, comme si qu'elle était bakélée, genre en prison. Et toi, si la tefila, elle va te permettre de te faire ressortir encore plus qu'elle veut ta neshama. Et j'ai bien aimé cette idée de chomot agana. Alors, tefila, c'est gam chibour. Genre, on a dit, c'est vraiment un chibour, une connexion. Et c'est gam regash al emet. Tefila, c'est regash al emet. C'est le moment de vérité. C'est un moment instantané qui est fort, qui est intense. C'est un moment de vérité, quoi. Le emet, mamash, achipashmout, genre vraiment comme ça. Maintenant, il faut que vous construisez et que vous compreniez que quand tu pries, tu construis une pyramide, ok? Et ça s'appelle la pyramide des Olamot. Alors, ça peut être un chidouche pour certaines. J'espère que beaucoup de femmes ici, elles vont apprendre c'est quoi cet Olam-là. Alors, le premier Olam, c'est le monde de l'action, c'est Asiya. Okay. Donc ça, c'est les 18 bénédictions, c'est les corbanotes, c'est voilà, les anges, avec, voilà, c'est le premier shlam. Okay. Olam Asiya, le monde de l'action. Okay. Après, tu as Yetzira, c'est le monde de la formation. Ensuite, tu as Beria, c'est à partir du Kaddish. Okay. Et après, tu as Olam Atzilut. Olam Atzilut, c'est le monde de la perfection. Tu es tout en haut de la pyramide. Okay. Donc, tu as monde de l'action, monde de la formation, monde Beria et Atzilut. Beria de la création et Atzilut, c'est monde de la perfection. Quand tu arrives à la Amida, okay, c'est pour ça que tu es debout, parce que tu es en haut, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un moment pour mettre toutes ces bakashot, toutes ces demandes, parce que tu es vraiment en haut. C'est le meilleur moment, pour, comme si tu étais près du Kodesh à Kodashim, dans le Kotel. Okay. Et bien là, pareil, c'est le moment où tu peux faire toutes tes demandes parce que tu es au plus haut niveau. Et après, c'est une pyramide, donc tu redescends. Et donc, tu redescends. Après l'Olam HaAtzilut, le monde de la perfection, on a Olam HaBeria, Olam HaYetzira et Olam HaAsiya. Genre, on redescend, quoi. Terre céleste et Asiya, le monde de l'action. On a commencé par Asiya et on finit par Asiya. Donc, en fait, tu construis des mondes. Et pourquoi c'est bien cette pyramide des Olamot? Parce que déjà, tu construis, il y a une graduation. C'est comme on a dit, c'est fou, hein, la semaine dernière, on a parlé de Shavuot et on avait parlé qu'on montait des piliers, des paliers de 0 jours à 49, 50 jours. On reçoit la Torah et qu'on doit y aller doucement par pilier, par palier. Et bien là, pareil, ils te disent la prière, ok, tu as du mal. Ne vois pas ça comme une vatachat. Genre, d'un coup, tu montes de 0 à 100 étages. Non, tu passes au premier étage, deuxième étage, troisième étage. Tu vois les numéros défiler et tu comprends qu'il y a une ascension qui se crée. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je parle d'énergie, parce que l'énergie, elle n'est pas constante. L'énergie, elle va monter pour redescendre, en fait. Et donc, on fait des pyramides tous les matins. Voilà, on construit des pyramides tous les matins. Et il faut valider des étapes. Il faut valider des étapes pour accéder au summum de la prière. Okay, si tu rates le coche, eh ben,
En fait, c'est pour ça qu'Hachem, il ne valide pas notre prière, parce qu'il a dit, ok, Olama Yetzira, tu étais là, Olama Atsilu, tu n'étais pas trop là, Olama Beria, tu n'étais pas là. Donc, une progression. C'est comme toi, on est d'accord que normalement, on n'a pas la même prière aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou dans 5 ans. Il faut essayer de se projeter et se dire, ok, à quoi elle va ressembler ma prière? Ça dépend aussi de l'environnement. Il y aura des enfants à s'occuper. Là, je suis beaucoup plus libre. Moi, je sais, ma rabbinite, à chaque fois, elle dit, avant, j'étais plus dans la prière, nanana. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ah bah, zepseder. Genre, Hachem, moutard là, en tant que isha, mais à traévet, les palèdes. Genre, c'est obligatoire de prier Hachem. Même avec tes mots, même de prendre du temps, même si tu fais moins, mais te concentrer au moins. Donc voilà, ça, c'est l'idée des pyramides des Olamot et de graduation et de construction et de progression pour essayer de valider toutes les étapes, pour s'élever et pour ensuite redescendre. Hein, parce que Hachem, il ne te laisse pas en haut. Hein, il ne te dit pas, allez, c'est bon. Non, il te dit, allez, on redescend. Genre, souffle. Voilà, comme ça. Et aussi, il y a une part de silence dans la prière. Alors, le silence, parce que quand tu construis des mondes, bah, il faut se taire. Quand tu construis des mondes, il faut se taire. Parce que si tu t'interromps, bah, c'est comme si que tu avais cassé les ponts qui te relie du monde terrestre au Olam, genre Olam Elyon et Olam Atarton. Donc, quand tout le monde fait ça dans sa prière, Baruch Shehamar, qu'est-ce que tu fais? Bien, non. Tu peux, tu fais des gestes aux gens. Bon, déjà, tu sais que tu es en rendez-vous avec Hachem, donc normalement, quand tu es avec Hachem, tu ne parles pas à quelqu'un d'autre. Hein, quand tu es en rendez-vous avec un ministre, bah, tu ne parles pas, pourquoi lui il passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux ramener ça? Non, tu es concentré. Et là, il te dit, le silence, il va te permettre de construire les mondes. Donc, si tu te tais pas, eh ben, tu vas casser les ponts que tu as construits jusqu'à Hachem. Ok, c'est bon. Super. Toda Rabba. Donc voilà, on a dit le silence, ça va te permettre de construire les ponts et que ta prière et ta pyramide, elles soient perfectes. Bezrat Hachem. Donc, à partir de Baruch Shehamar, normalement, il ne faut plus parler. Ok. Par exemple, si tu as fait Adon Olam, toutes les birkot Hashachar avant, tu peux parler. Mais au moment de Baruch Shehamar, tu ne t'interromps pas. Quand on rentre à la synagogue, normalement, il ne faut pas parler du tout. Donc, si tu es Shabbat à la synagogue et tu veux prier, genre vraiment, genre, je me rappelle qu'étant petite, ça m'a choqué. On m'a donné cet exemple de gens qui parlaient à la synagogue et qu'il y a une Neshama qui a entendu et quand elle est revenue en Gilgul, elle savait qu'elle devait réparer le fait qu'elle avait parlé à la synagogue. Genre, c'est hyper grave. C'est une des raisons pour laquelle je ne vais plus à la synagogue le Shabbat. Non, mais maman, Midbar, qu'est-ce que tu as dit, Dibou? Midbar, Medaber, tu vois, le silence. Non, il y a quelque chose dans le silence qui est maman, Mashmaoti, et qu'on oublie souvent, mais on écoute plus les gens quand ils se taisent. Ouais. Voilà, c'est véridique. Donc, une fois que tu as réfléchi et que tu as pris du temps et que tu as au prochain construit toutes tes pyramides et que dans le silence et tout, maintenant, je vais parler à Hachem parce que c'est le seul interlocuteur que j'ai. Tu n'es pas en monologue, tu es en dialogue avec Hachem. Sauf que toi, tu ne l'entends pas quand il te répond. Hein, à Kol Beseder. Tout va bien. Donc, tu vas te concentrer 20 minutes, ok? Sur 24 heures, 20 minutes. Genre une demi-heure, une heure, ça dépend. Mais sur 24 heures, quand on se dit, c'est proportionnellement, c'est faisable. En vrai, c'est complètement t'es en capacité de le faire. Et si tu veux sauver des vies, si tu veux réparer des mondes, alors prie. Voilà. Et j'exagère pas du tout quand je dis sauver des vies. Ça veut dire que Mama Shatirola, la tzine des fachot. Il faut savoir qu'une prière d'une personne, elle peut. On a demandé à une petite fille, qu'est-ce que tu vois? Elle a dit, moi, je vois des rayons qui sont hyper puissants dans le monde qui se passe. Et on lui dit, c'est quoi ces rayons? Elle dit, c'est quand une personne prie pour une autre personne. Elle a dit, ok, et tu vois quoi d'autre? Et elle a dit, je vois des rayons qui sont beaucoup moins forts. Elle a dit, c'est quoi? Elle a dit, c'est des personnes qui prient pour eux-mêmes. Donc, si tu pries pour quelqu'un d'autre, moi, je sais, ça marche hyper bien. Si tu pries Perek Shira pour quelqu'un, truc et tout, ça marche hyper bien. Genre, d'un côté, mais pas de l'autre. Non, mais en tout cas on se rend pas compte. Mais c'est pas quelque chose d'égoïste de prier pour l'autre et genre, on prie pas pour nous. C'est complètement faisable. Mais quand il y a cette idée de genre d'étincelle qui est encore plus fort quand tu pries pour l'autre, c'est dans le livre d'Annabelle, je crois. Annelle, c'est vrai. J'ai rendu le film Emma, c'est quoi comment tu dis le film film d'horreur, genre. Pas du tout. Ouais, je crois que c'est dans le livre d'Annelle qu'elle dit ça. Elle dit, ouais, on voit des idées de Neshamot comme ça qui prient les unes pour les autres. Donc voilà. Concentré au moment où tu dis le nom d'Hachem, ok, Baruch Ata Hachem,
Hachem, c'est le passé, le présent et le futur. Sinon, tu n'as pas fait la mitzvah complète, ok? Donc, quand Hachem, il te dit, j'ai validé que 43 prières, c'est peut-être parce que le nom d'Hachem, qui a été écrit en rouge dans le livre au début, bah, tu ne l'as pas fait avec Kavana. Et ça, c'est un des 10 commandements. Donc, normalement, on doit faire attention. Moi, je, Hachem, peut-être il faut faire attention. Je fais très attention à ce que je dis. Vraiment, je prends des pincettes pour pas qu'Hachem, il me racle derrière et tout. Mais bon, faut faire. Il y a la pratique et il y a la théorie. Il faut essayer d'assimiler ça. Maintenant, on a dit le mot d'Ani. Ah oui, le Netilat Yadayim, juste un petit point comme ça, technique. Le matin, on ne peut pas faire plus de 4 pas vers l'endroit où on fait Netilat Yadayim, ok? Et c'est bien de ne pas parler. Tu dois parler avant toi, Hachem. Donc, bon, bien sûr, si tu lèves pendant la nuit pour ton enfant qui a perdu sa sucette et tout, Barour, un moutard, ça, c'est dans le cours du Rav Twitou. Il le dit, il fait plein de cours sur la prière. C'est lui qui explique d'ailleurs sur les Olamot, à l'époque, quand j'avais écouté il y a 2 ans. Mais c'était un vieux cours. Et il dit aussi, voilà, l'idée de Netila, c'est bien de ne pas faire 4 pas, c'est mieux. Après, si tu n'as pas un truc de Netila à côté de toi, voilà. Je sais qu'il y a des rabbanim, ils ont toujours un petit seau avec de l'eau à côté d'eux parce que c'est de l'impureté, ma mâche. Hein. C'est 1/60 de la mort, le sommeil. Donc voilà, faut faire attention. Maintenant, les brachot, genre, on connaît tous la mashmaout de Pokeach Ivrim, de ouvrir les yeux, c'est-à-dire voir la réalité que tu ne vois pas. En fait, une des premières prières, c'est Pokeach Ivrim, genre, ouvre les yeux. Et ça veut dire réveille-toi, en fait. Il te dit, ma mâche, réveille-toi. Et Asher Yatzar, c'est 45 mots et c'est le plus grand médicament du corps humain. Voilà, c'est Asher Yatzar. Il y a plein de gens qui disent, j'ai pris sur moi de faire Asher Yatzar juste parce que je sais que une personne genre, qui est malade, si on fait Asher Yatzar pour lui, eh ben c'est quelque chose de bien. Genre, juste si tu prends la première phrase Modani, Neshiat Yadayim et Asher Yatzar, tu as déjà 3 prières qui sont complètes dans leur intégralité, dans leur formulation, dans leur complexité, dans leur tout ce que tu veux. C'est vraiment, Asher Yatzar, c'est le médicament là. On dit, tu as mal au pied, fais Asher Yatzar. Genre, voilà, des mal du corps, tu dois faire Asher Yatzar. Parce qu'ils te disent, à filou, genre, ils te disent même si ce canal-là, il est ouvert et l'autre, il est fermé. Genre, tu peux pas vivre une minute. Genre, c'est quand tu te rends compte, genre, Asher Yatzar, c'est pour ça qu'il est encadré et dans les Bet Knesset et même dans d'autres endroits, et même dans les maisons des rabbanim, il y a vraiment la prière Asher Yatzar pour que tu lises cette prière et que tu ne la fasses pas de tête. Genre, il faut vraiment lire les prières à chaque fois. Voilà, si je rentre un petit peu dans l'idée de la prière un petit peu plus, il y a quoi? Ah oui, par exemple, Ashri Yosh Beveitecha. Est-ce que vous êtes rendu compte que dans Ashri Yosh Beveitecha, il y a pas, il y a toutes les otiotes, ok, on sait que c'est les fils d'air, ok, Ashrei Yosh Beveitecha, Bet, Gimel, Dalet, Heva, mais il manque une lettre. Il manque quoi? Le Noun. Pourquoi il manque le Noun? Hein? Nachon, bravo, comment tu t'appelles? Adassa. Alors, Adassa et Yael, on va dire 50-50. Yael aussi, tu... Ok, on a noté Adassa et Yael en bon point, vous avez une gommette. Je distribue des bonnes gommettes aussi. Il y a pas dans Ashrei Yosh Beveitecha, il y a pas le Noun parce que Anoun Nafal, le Noun il est tombé. Genre, et après la lettre qui vient après c'est le Samer. Samer c'est se relever. Genre Somer, Nachon. Donc voilà, on fait Ashrei Yosh Beveitecha tous les matins et là je vois des mots qui fait une tête. Ouais. Ah non, j'ai jamais fait attention qu'il y avait pas de Noun. Et pourtant j'avais compris au bout d'un certain moment que c'était en alphabétique, genre. Donc voilà, schéma, on sait tous qu'il y a 248 mots, 365, que ça correspond schéma, genre tu peux, genre je peux faire un cours entier que sur le schéma, mais tu peux faire un cours entier sur chaque phrase de la prière en fait. L'amida, c'est, faut savoir qu'au moment où tu fais l'amida, il y a l'ange de la mort qui est devant toi. Et comment on le sait? Parce que je crois que c'est David Ameller, il regardait comment les gens ils faisaient l'amida, pour savoir qui l'allait emmener en guerre avec lui. Et si ces personnes, elles levaient les yeux et qu'elles n'étaient pas concentrées, alors il ne les emmenait pas avec lui parce qu'il avait peur qu'ils meurent à la guerre. Donc voilà. Il y a une idée de louange, de jugement et de remerciement à Hachem. Genre, remercier Hachem, c'est Léodot. Jugement, c'est le djinn, Mamash. Et il y a les bakashot aussi, il y a les demandes. Et tout ce qui est louange, quoi. Quand on fait Alléluia, El Bekocho et tout, c'est vraiment louer Hachem. Mais c'est plus qu'avec des instruments, genre quand on est petite. En fait, le problème, c'est ça vient à l'origine de notre éducation, ok? Ceux qui, Baruch Hachem, ils ont été en école juive. Ceux qui, malheureusement, n'ont pas été en école juive, c'est encore plus compliqué.
C'est pas que c'est pire, c'est plus compliqué. Parce que petite, on t'a appris machinalement à chanter la prière et à le faire. En vrai, c'est bien, c'est une bonne chita. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre les choses par cœur. Hein. On sait que, par exemple, celle qui a gagné le truc du Tanakh là, cette année, là, elle a dit qu'elle a appris en chantant tous les trucs. Nous aussi, on faisait ça à l'école. Hein. Moi, par exemple, pour les textes du bac, il y a 10 ans, hein, je les apprenais en chantant pour que ça me reste. Mais en fait, quand, par exemple, on fait Perek Shira, normalement, Perek Shira, on doit le chanter parce que c'est une Shira. Okay. Mais c'est pas que quand il y a écrit Shira que tu dois chanter. Donc quand tu fais la prière, tu dois vraiment chanter. Genre, c'est une louange à HM en fait. Tu construis des mondes et quand tu construis des mondes, ben, tu le chantes en fait. T'es heureux de ça. Et donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit chanter, mais je l'ai même pas écrit, je crois. J'ai parlé Perek Shira, mais voilà, Bégadol. Voilà, on a parlé de la fabrication de la prière, comment bien prier, comment faire la prière. On a donné des petits moyens mémotechniques. J'espère que vous avez appris des petites choses. Je vais juste terminer avec un petit truc que mon frère dans ses cabanotes y faisait. Parce qu'on a compris que la prière, c'est au-delà de la prière de Shacharit. Hein, c'est aussi le Birkat Amazon. C'est toutes les formes écrites adressées à Hachem. Okay, où toutes les fois, il y a écrit Baruch Ata Hachem. Genre vraiment comme ça. Et c'est des moments de concentration extrême que Anachnu Mefaspesimotam, tu vois. C'est comme quand tu dis « Ah, mon enfant, il grandit trop vite. » Moi, je ne peux pas dire ça, hein, je n'ai pas d'enfant. Mais je connais, j'ai des nièces. Et je me dis « Ah, là, elles grandissent trop vite, je ne les ai pas vues en un an. Elles ont grandi trop vite. Ben » Là, c'est pareil, ta prière, elle a grandi trop vite. Un an est passé, waouh. C'est passé trop vite, genre. Et limite, tu as raté des choses. Ben là, tu dois avoir la même chose. Comme si c'était ton enfant, ta prière chaque jour. L'ange que tu crées, c'est un enfant que tu chéris, en fait. Donc voilà, Annie, Meon, Mekavash et Nenetem, que vous avez kiffé. Et Toda Rabba Lachem, Alak Shabbat. Toda Rabba.